Je m'appelle Armel Joubert-Desouches, je suis rentré dans l'audiovisuel à l'âge de 16 ans par les radios privées lorsque François Mitterrand a eu l'initiative d'autoriser la création des radios libres en France. Et pendant presque 8 ans, je suis devenu à la fois correspondant pour Radio France, j'ai pas mal collaboré pour France Inter et France Info, et puis j'étais aussi correspondant pour l'agence France Presse, et puis ensuite TF1 en 1997. Mon travail était pendant 14 ans d'alimenter en sujets divers et variés les journaux de 13h et de 20h. En fait, je sentais que je n'avais plus ma place parce que le milieu de l'audiovisuel a considérablement changé, a vraiment changé. Par exemple, un élément, ça a été lorsque je me suis rendu compte que dans les télévisions, ceux qui avaient des postes clés, par exemple le spécialiste défense à TF1, armée défense, le spécialiste fait divers, le spécialiste justice, n'existaient plus. Et en fait, on devenait des journalistes un peu barbe à papa, des journalistes multibras. Les médias ont vraiment beaucoup changé. Ils ont changé, l'argent est rentré dans ces milieux-là. Et en fait, le journaliste n'est plus à sa place, puisque j'ai le sentiment, mais je sais que je ne suis pas le seul journaliste à partager cette analyse, c'est que le journaliste ne travaille plus au service de l'individu, mais se sert de l'individu pour des intérêts privés. Et ça me dérange. L'intérêt de Citizen Light, c'est de se mettre au service de l'individu. Je disais, on consomme et on consomme de l'information. La différence de Citizen Light, c'est encore une fois d'abord de travailler sur des formats qui soient longs, dans lesquels on a le temps de travailler. Et moi, ce que je souhaite personnellement avec l'équipe de journalistes qui va nous accompagner, qui va nous suivre, c'est nous donner le temps de travailler, véritablement d'aller au fond des choses. Et ça, c'est ce qu'on reproche. J'ai souvent entendu cette critique. Les journalistes, vous travaillez à la va-vite, vous arrivez comme des voleurs, au pire comme des voyous, vous n'avez pas le temps de travailler. Mais moi, je veux avoir le temps de travailler. On veut créer, on veut être l'écho d'une information positive et constructive.